Le plan, c'est d'installer ce panneau solaire-là par-dessus le surf. Oui, Dave. Hey, salut Dan, ça va bien? Hey, how are you? Oh, oui, très bien. Hey Dan, j'aurais besoin d'une scie anglais, mais à métal. J'ai des tubings d'aluminium à couper. Ah oui, oui, j'en ai une dans le garage. Ok, je peux t'emprunter ça? Oui, oui, pas de trouble. Je vais passer, okay. Promets un peu alentour de vers 1 heure d'après moi, là. 1 heure, 1 heure et demie. Pas de trouble. C'est bon? Je suis tout le temps là, je travaille de jour, de soir, de nuit. Fait que tu peux le pire, je suis tout le temps là. Parfait. Merci, Dan. Okay. Tantôt. Bye. De ta machine à pneus. Hey Dave! Ça va? Ben oui, toi! Ouais. C'est comment d'avoir des chums qui ont plein d'outils? Ouais. Voir en rentrant, elle drette au-dessus, sa mezzanine au-dessus de bord. Ouais, faut vraiment penser à ça, parce que avant d'installer tout ce qui va sur le toit du ouest, je vais finir ce qu'il y a à faire mécaniquement, ce que j'ai besoin d'aller faire dans un garage. Parce que là, comme ça, là, j'ai des bushings en arrière à changer, mais j'ai vraiment besoin de rentrer dans un garage puis lever le derrière. Puis de là, on est déjà quand même limite quand on rentre dans un garage. Pas dans un garage commercial, mais dans la porte des garages de maison, les hauteurs de porte. Fait que si je me mets à tout mettre sur le top du ouest, je ne pourrais plus rentrer dans un garage, mais il faut le temps que je réenlève tout ce qui est en sud dessus. Fait que c'est pas mal commode un peu. Fait que ce que je vais faire, je vais tout faire fitter ce qui va sur dessus, mais avant d'installer ça permanent, je vais finir ce que j'ai à faire mécaniquement. Ça a l'air lourd. C'est jamais simple de faire des projets. Et tu penses à ça, là, des fois, tu vas au magasin 2-3 fois, tu essaies d'acheter plus que tu en as de besoin, puisqu'il y a au moins cette commodité-là que tu peux retourner les choses. Alors, après ça, tu t'assures d'avoir les bons outils ou les bons amis. Alors, après ça, tu commences ton projet. Comme là, nous, on a 4 braquettes à faire. La première braquette, souvent, tu commences et so-so, mais tu veux pas scraper le morceau, va être en garde. La deuxième est mieux, la troisième, elle commence à être bonne, puis la quatrième est parfaite. C'est sûr qu'elle n'a pas avoir tout ce que j'ai de besoin. C'est tout le temps comme ça. Bon, il manque toujours du tubing carré en aluminium, 1 pouce par 1 pouce. Et après ça, Girona. Prochain stop, Home Depot. Et après ça, je pense que je vais manquer de temps dans ma journée pour finir mon projet. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'Halloween et on passe Halloween. J'ai trouvé! C'est quand même assez cher, hein? Un petit tubing 1 pouce par 1 pouce de 3 pieds, là, 27$.
je pensais qu'une scie à métal ferait la job, mais avec l'aluminium, ça coupe pas terriblement. Ça fait beaucoup de bavure. Ça se nettoie, mais ça va me donner beaucoup plus d'ouvrage. Puis là, ben, mon oncle qui est passé, mon oncle à ma femme, puis il dit hey, j'ai un banc de ça, moi, que je pourrais peut-être te prêter, qui ferait des plus belles coupes. Fait que je dis pourquoi pas? On va essayer de couper ça avec le banc de ça. C'est le fun d'utiliser plein de gros outils comme ça. Là. Ça fait des plus belles coupes. C'est juste plus touché un peu de couper doigts, mais on fait attention un peu. Ça fait des bons résultats. Ça ressemble presque à mon plan que j'ai fait. Il me reste à percer les trous, mettre les vis, après ça l'installer sur le panneau solaire. Mais au moins, ça c'est un plan qui a fonctionné. Je pense que je vous ai jamais dit ce qui s'est vraiment passé avec notre embrayage quand on était chez le West. On était plus capable d'embrayer. On était en plein de heure de pointe sur l'autoroute, en plein de fin de vacances de construction. Le monde nous aimait. À rouler à 65 km/h sur l'autoroute. Mais finalement, on s'est bien rendu ici. Ce que j'ai fait, j'avais essayé de jouer avec le câble d'embrayage. Ça n'a pas aidé vraiment. On a fait quelques journées qu'on s'est promené. Pour ceux qui venaient chaud, elle venait plus. On n'était plus capable d'embrayer les vitesses. Fait ce que j'ai fait, ben, j'ai enlevé la traction. Puis pour enlever la traction, sur ces véhicules-là, il faut enlever le moteur au complet. Qu'est-ce que j'ai fait? On est allé chez un de mes amis. J'ai tout enlevé ça. J'ai inspecté. L'embrayage était usé. Dû pour être changé, était vraiment fini, mais c'est pas ça qui causait le plus gros problème. J'ai remarqué qu'il y avait un bearing au bout qui tient le chaffe de tension qui était tout fini, qui avait mangé le bout du chaffe de tension. Fait que ça, c'était un des gros problèmes. Fait qu'à ce moment-là, je savais qu'il fallait changer le chaffe-là ou le faire remachiner, ouvrir la tension. J'ai aussi le reculon qui était très, très bruyant. Enfin, on a pris l'occasion, on a amené la transmission et on l'a fait rebâtir. C'est Michel Benoît. Michel Benoît nous a tout rebâti la transmission. J'ai aussi fait changer le différentiel, le pignon aussi, puisque la transmission scillait un peu. J'ai fait faire une super de belle job sur la transmission. Parce que oui, on s'en va et on va voyager avec cette vanne-là. On ne veut pas de problème à ce niveau-là. Puis j'ai mis un embrayage neuf en même temps. J'ai revisé, j'ai fait un ménage aussi du filage moteur. J'ai fait un petit peu de maintenance. Puis on a tout remonté le tout, puis ça fonctionne super bien. Fait que côté mécanique, on est presque prêt à partir. Aujourd'hui, j'ai promis à mes neveux et mes nièces que j'irai passer l'Halloween avec eux. Fait qu'on va couper la journée short, puis on va le passer du bon temps avec eux autres. Ils sont bizarres, ces citrouilles. Allô? Allô? J'en ai 6, il faut que j'en ramène 6.